retour ici. Oui. Tranquille. Avec du ZVZ. Voilà, pour l'amour match. Du match-up. Bah et oui. Évidemment, le plus stylé de l'univers. Maintenant, Tello a réussi à s'emparer de la victoire face à Lilbo. Maintenant, Nercio, c'est tendu. Là, c'est en train de faire une émote battle. Bah, en même temps, les mecs font du ZVZ, donc ils spamment des drones, des overlords, des drones. Je vois des locusts. Putain, il y a même un emote locust. Il y a beaucoup de poux aussi. Le troll est tellement. Ouais. Effectivement, il y a une ligne entière de poux. C'est ça. Des petits arcs-en-ciel, une nuque. Et là, en fait, c'est, voilà, c'est des compositions de Zerg. Hein. Drone, drone, overlord, drone, drone, drone. Il te fait le BO en fait. 12, voilà. 13, 14, over. Il te fait pas le mineral trick, tu vois. Je sais pas si t'as le gaz. Ouais, je sais pas si tu peux faire un extracteur. C'est un peu la merde du coup. En tout cas, on a un ZVZ et un ZVZ. Big up Alex Kish. Un ZVZ qui. Sur la logique, devrait tourner largement à l'avantage d'un Nercio qui est complètement au-dessus, qui est complètement énervé en ce moment, un des top Europe qui n'a pas bougé en fait, qui a eu cette notion de pic de progression, mais qui est resté alors qu'on en a vu certains monter puis redescendre très vite. Bah en fait, le niveau top Sand Foreigner, il est là, et Nercio en fait, lui, il est là. Mais en fait, il est plus ou moins au-dessus, mais dans tous les cas, il est au-dessus en fait. C'est ça, ouais. C'est à ouais. quel point est-ce qu'il écrase la scène. Ces derniers temps, il y a eu une petite très légère baisse de régime, je dirais exclusivement contre Terran, où on a vu Thermal lui prendre quelques points, on l'a vu un petit peu galérer contre Snut, mais si t'exclus ces quelques games où t'as l'impression qu'aussi il y a le tilt, où en mode, au lieu de jouer son classique, il commence à faire des all-in un peu désespéré, au final il donne des points sur des games qui ne ressemblent pas à ce qu'il fait habituellement, si on exclut ça, il casse la bouche de quasiment tout le monde. Et principalement ZZ, et principalement Tello. Est-ce qu'on peut aller sur Ali Goulag vite fait? Oui, bien sûr. Mon cher Funka. Juste mettre une petite... My life for Ayur. My life for Ayur. Artanis président. Ah, Artanis président. Putain, bien joué. Président. Oh la vache. Ali Goulag. On a dit Ali Goulag et pas Team Liquid. Hein. Ouais. J'ai un problème. Dès que je lance un truc, je tape Wikipédia. Et une petite inférence. Une inférence entre les deux. Ouais, mais à mon avis, ça va être infâme. Hein. Tello contre Nercio. Nercio dans la place du. Purée, on voit pas. T'es bienvenu à moi. Des bisous, les gars. Bisous à toi. Allez, big up, Jan Nesta qui, du coup, est né pour son deuxième mois, si je dis pas de bêtises. C'est dixième, je crois. Dixième, il est pas passé. Mais ouais, mais en fait, on les voit pas. On là. Les voit plus maintenant. À mon avis, c'est qu'il doit falloir update l'application pour qu'elle prenne en compte les messages. Putain, t'es trop un ouf. Regarde la prédiction. Net avantage à Nercio. Hein. 11% de chance de victoire de Tello. Contre 89. Tu peux passer mon écran, mon bon Alex. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit affichage de l'historique aussi, s'il vous plaît ? Le bouton en bas à droite. Historique. Oh la vache ! Ah non, mais c'est. Ah ouais, c'est... Ah ouais historiquement, c'est la merde. Hein. Non, mais Tello, chez les Foreigners. Tu vois, Nercio ne perd 1-0-3, 1-2-1-2-0-2-0. Oh la vache. Franchement, pour retrouver un joueur qui le battait régulièrement, ça se trouve, il faudra monter à Stefano. Hein. Et encore, je suis même pas sûr que Stefano avait plus de victoires que Nercio. Alors précisément, ça fait combien? Ça fait score l'un contre l'autre, 48-17. 73, quasiment 75% de victoire pour le bon Nercio. C'est juste une folie en fait. Hein. J'allais dire, quand ZVZ, en fait, on avait une notion de. Enfin, tu sais, il y a toujours cette donnée est-ce que le ZVZ et le PVP sont pas un peu plus random que les autres match-up? Est-ce que Nercio est pas plus accessible dans ce match-up-là? Justement, en fait, à ce propos, c'était très intéressant les propos de Tello dans son interview post-match où il disait voilà, en fait, le ZZ est réputé pour être aléatoire, surtout tu vas sur HOTS, mais là, à l'heure actuelle, sur League of the Void, il semble que Nercio arrive à déjouer les pronostics et dans à peu près n'importe quelle situation, il arrive à battre les joueurs contre qui il est censé gagner. En mode, ouais. T'es meilleur, tu gagnes. Et c'est ce qu'on ressent dans tous ces games où en mode, il trouve toujours un moyen de revenir. Et c'est complètement hallucinant. Maintenant, voilà, Tello a réussi à sortir les petites tricks pour s'emparer de la victoire face à Lilbo. Il pourrait en être de même face à Nercio. N'enterrons pas du coup le joueur allemand qui joue à domicile, bien sûr. C'est Tipar Game One. On est sur Temple Gelé. Big up à Infini qui est là depuis 13 mois. Merci pour ta fidélité. Gros à gauche pour Lazergerie pour Team Liquid HyperX. Il s'agit de Liquid Tello. Très bon. Qui va aller agresser hein, avec un pool gaz. Ouais, c'est très 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 classique sur cette carte là. Et ouais, c'était tellement. Enfin, comme d'habitude, en fait, la méta elle tourne. C'est tellement classique que tout le monde le fait au début, que tout le monde commence à faire des pool first parce qu'il faut réussir à contrer ce build là. Et puis parce que tout le monde fait de pool first, tout le monde se remet à faire des edge first. Maintenant, il y a quelque chose d'assez récurrent chez Nercio, c'est de jouer la carte de la sécurité. Donc lui, bassin génétique en premier.
non cheesy, mais de voilà, petite chicorite qui va s'avérer finalement payante. Et vous avez vu Firecake hein, du coup sur le sur le canapé de cast. Il y avait Penguin aussi de My Insanity, j'ai pas fait gaffe au troisième. Donc ils vont caster cette game sur le stream anglais, spécialité Zerg hein, du coup sur le canapé. Et on a de la spécialité Zerg sur le plateau de cast au gaming en la personne de Yogo qui va donc nous décrypter tout ce qui va se passer sur cette game. Oui, donc petit avantage en fait du côté de Shenercho parce qu'il a voilà le build défensif face au build cheesy, c'est aussi simple que ça maintenant. Quand tu as le build défensif, ça veut dire que tu as sacrifié l'économie, par conséquent tu as moins le droit d'investir en fait pour défendre. Tu vas pouvoir défendre si tu fais bien les choses, mais si tu surréagis, bah au final tu meurs quand même parce que t'avais pas une marge très 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 importante. TLO qui est en train de fenter, il y a une autre condition, c'est prendre l'information, ce n'est pas encore... Oh là là, bah si en fait c'est complètement pris. C'est vu. Bon positionnement d'Overlord de la part de Nertio qui voit arriver ses 6 Zerglings envoyés très très tôt hein, donc de la part de TLO avec ce build très 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 cheesy. On n'a pas cut le gas car on veut transitionner sur Baneling et les 6 Zerglings vont arriver tandis que les deux premiers vont sortir. Non, les 4 premiers sont déjà sortis pour Nertio. Donc tu parlais de ce build défensif. Le build de safe face au build de Lin, c'est la pire hein, des interactions entre build order. Bah ça, il a 2 drones de plus et au final ils ont quasiment les mêmes bâtiments, ce qui est absolument catastrophique. Et là-bas supplémentaire, bien entendu, de Baneling qui va être lancé, l'aiguillon qui est déjà terminé. On va pouvoir le mettre en contrebas avant même que... Oh ah non, finalement on peut faire le mettre sur la pointe. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier le B2, ce qui pourrait être une opération très très, très alléchante pour DLO? Bah c'est minimum syndical hein, pour un investissement de ce type là. Alors là on a le Zergling Speed contre le Zergling Speed. Non, quoique en fait il a pas le speed. Et du coup là il est un peu bloqué par les Banes, c'est pas mal fait de la part de TLO ici. Pas de connexion, non, on micro bien ça. Ici il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec les Banes. Voilà, 4 Zerglings pour un Bane et là B2 qui tombe. Les Banelings qui étaient trop late du côté de chez Nertio. Et donc du coup bah cette première partie d'agression qui est pas mauvaise hein, pour un TLO qui va positionner lui-même sa B2. Ouais, c'est plutôt cool. De retard du coup. J'ai comment il a limité la casse hein, parce que la B2 n'est pas forcément une évidence. Maintenant on prend des risques, il ne faut absolument pas perdre ses Zerglings parce qu'on le voit bien, on a quand même 24 drones face à 18, on a 2 queens face à 1, on a un spine face à 0. Donc TLO n'est pas mort, il a un petit peu de retard mais il a de quoi jouer très clairement. Et ce terrier cafard est assez ambitieux. Est-ce que c'est pas le terrier cafard pour refaire un timing de l'arnaque? Ouais, on est d'accord là-dessus, un petit peu plus d'inject, on a le speedling. L'important en fait avec ce type de build order aussi, c'est putain les spinecrawlers aujourd'hui qui font quand même des sacrés mouvements sur les unités qu'elles tuent. Tout à l'heure c'était le marine, ici c'est le zergling. Le fait qu'il ait réussi à passer son speedling en début de partie du fait de son all-in va lui permettre derrière de faire une espèce de timing roach et de pouvoir renforcer en mazerling speed, ce qui est super utile et ce qui le place très très bien pour faire ce type de follow-up. Par contre là le supply block au milieu de tout ça qui fait tâche quand même avec 2 overlords en queue là et on est bloqué à 30 sur 30. Maintenant même pour aller plus loin dans ta réflexion, je dirais même que un mec qui te fait un all-in genre Zergling comme ça, tu te dis pas que le mec il a posé un terre des cafards et enfin même un truc Zergling Baneling, tu te dis pas qu'il a posé un terre des cafards pour te all-in dans les 2 minutes qui vient. Normalement le mec c'est il a speedling, ok bah je pose ma B2, ah bah c'est très très cool, mais du coup je peux tranquillement poser une base de, enfin une base de plus et des drones. Ah là là là, là c'est l'arnaque totale. Telo il est en train de compter sur le fait que Nercho va saturer ses deux bases, tu vas faire full drone, se contenter de son aiguillon pour défendre et au final essayer de l'enfler là-dessus. Et ce qui a l'air de... Eh, ça se profile là-dessus, on fait que du drone, on a le speedling, certes on altère des cafards, ok. Mais on n'est pas en train de cumuler de la pop, ce qui est le cas chez Telo. Absolument pas, ouais. Là pour l'instant on a 23 de troupes à 7. Et on a une économie florissante hein, du côté de Shenercho qui a désormais 35 drones face aux 22 de TLO. Mais est-ce que cette économie va lui permettre de défendre l'assaut qui va arriver dans quelques instants? Les ravageurs pour se débarrasser des overlords et du map control, c'est bien esquivé de la part de Nertio. Et ce Zergling à mon avis. Alors va-t-il réussir à déjouer justement les pronostics hein, comme Nertio le disait, enfin comme Telo le disait, genre le mec capable de défendre, de remporter les games dans n'importe quelle situation. Là c'est chaud quand tu vois qu'on est en train de lancer 3 aiguillons, c'est vraiment que c'est panique. Là, on a aussi le Nid Chancre du côté de chez Telo, ça lui permet de faire quelques banlings et la possibilité de burst les aiguillons. Très peu de route quand même hein, dans la composition de Telo. Je sais pas si c'était le meilleur call de tous les temps. Ici une première spinecrawler qui prend lourd, on va essayer de la terminer avec l'auto-attaque, c'est bien fait. Par contre, il y a énormément d'unités qui sont en train de se terminer. Ici, cette spine, normalement, elle se fait instant. Ah, presque. So close. Ouh. Et ça va partir. Ah, il s'est bien défendu. J'ai l'impression que c'est totalement défendu. Hein. Il a fait que 3-4 ravageurs au final. Hein. Son terrier de cafard qui l'aura servi qu'à ça. C'est ça, c'est très très compliqué. Hein. Là, ce qui est en train de se tramer, on a 3 ravageurs face à une grosse masse de spine. Finalement, il s'en sort complètement. Nertio pour le moment, avec quasiment. Oh là 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 là
Oh bien joué, 2 pour 4 là c'est pas mal fait, ça va lui permettre de réengager avec les Zerglings et du coup le surround qui est fait et la build qui va connecter. Non, on s'est bien esquivé quand même hein, du côté rouge sur ce coup là et au final on ne prélèvera pas grand chose sur ce coup là. Oh là là, et puis on fait des drones, on fait le tir de Nercho, il a tellement la confiance et il a raison de l'avoir. Oh le gros bash. C'est pas déjà terminé cette game. Ouais. Ah bah. Il a beau être en train de transitionner depuis quelques temps, Thielo, je vois pas comment il récupère cette game. Hein. Il est late, très très late économiquement, 10 drones de retard et ça fait quelques minutes que c'est déjà le cas. Bah, il est en train d'accuser de son deuxième get back, hein, pas que ce soit à chaque fois, comment dire, en mode ah Nercho a fini la game, Thielo n'a plus aucune solution pour revenir dans la partie. Tu vois la pop, elle est voilà, il y a que 10 de pop d'écart, c'est du drone, ça peut se récupérer, mais bah, deux fois que Nercho en fait il sait surprendre et finalement non, ça défend. Ouais, c'est chaud. Du coup, on va investir sur un putain d'attaque de range côté Thielo pour éventuellement refaire un énième timing. Est-ce que réellement on va jusqu'au tier 2 ? On ne bourre pas Mass Roach Ravageur avec le plus 1. En fait, souvent quand tu as du retard en ZZ, c'est tu restes sur Roach, Lynx, Ravageur sans tier 2 en mode genre tu t'en fous et tu fais du tier 1 et puis t'espères que le mec prenne une fight de merde. Ça arrive et là, ça a l'air d'être clairement le cas. Speed Road déjà lancé chez Nercho qui n'aura plus besoin que de jouer défensif. Ah bah oui, là, c'est tellement abusé. Il va squeezer encore quoi. Tu refais 5 drones peut-être. Et encore, ouais. Je sais même pas si t'en as besoin, mais. Le fait qu'il ait des aiguillons lui permet éventuellement de faire les 5 drones. Ce cold Funka, regardez-moi ça. Les 5. Ce génie. Les 5. 5 drones. Oh là 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 là. Ouais, non, mais en fait, c'est du replay, les gars, je vous avais pas dit. Je les ai déjà vus les games. Ouais, non, tu practices Zerg pour tenter de passer GM comme il m'arrête, c'est bah, ça. Ça va pas être compliqué hein, si je joue Zerg. Ouais, ah, Retravageur, avec des timings, et ben moi je fais des ultralisques. Non, je serais perdu, notamment en ZZ, je pense que je serais complètement perdu dans le truc. Par contre, en réalité, le revamp du ladder qui m'a vraiment donné énormément envie de jouer là. Ah bah ouais. Il y aurait une vraie différence entre être master et être master. Parce qu'en fait, au début, bah, t'es content d'avoir de master avec tant ou tant de points, mais en fait, tu sais que c'est un peu du. Pas du pipeau, mais pas loin. Ah, je suis master 1. Ouais, mais il y a 20 lignes master. Oui, mais c'est pas grave, je suis quand même master 1. Ouais, bah. Là, il y aura vraiment le petit mémé en mode. Hey, tu vois, j'ai 3 points de mémé de plus que toi. Tu sais qu'il va falloir que tu refasses 2-3 games et que t'as intérêt de les gagner si tu veux me passer devant. C'est ça. Et là, il y aura la bataille de tous les instants. Et avec surtout avec la GM dynamique. La GM dynamique qui va donner bah voilà une sorte de lisibilité hein, aux gens qui sont en train de faire la road to GM, notamment le bon NB Imre hein, qui fait ça depuis 5 ans. Je sais pas si on doit trop spoiler mais il est possible qu'il y ait du direct lundi quoi. Sur l'épreuve sur l'un des 12 travaux d'Imre. Est-ce qu'il est en train de bourrer le mec qui est en train de bon, il a 32 pommes de plus. Je pense que l'attaque est complètement légitime. Hein. Bon, allez, game 1. 32 pommes armées. Regarde, ça c'est fait. Oh, bah, c'est 80. Ok, easy. Putain, c'est chaud, l'écart de pop qui s'est développé au moment de la prise de. Enfin, c'est ouf. Ouais, en fait, c'est Nercho qui avait un petit peu d'avance toute la game. Et d'un coup, là, il y a Thielo qui s'est dit: ah ouais, moi je vais faire 20 drones. Ouais, mais du coup, ta pop elle ne monte plus alors que brrr, chez Nercho ça a explosé. Il lui a mis le gros getback. C'est quoi le ladder River Up? Alors, c'est au lieu d'avoir des sous-divisions, enfin 4 ou 5 sous-divisions par ligue, il n'y en aura plus que 3. Mais surtout, vous aurez votre MMR. Par ligue, il n'y avait pas de sous-division par ligue avant. Non, mais tu vois, peut-être t'avais les icônes genre. Ah oui, top 50, top 25, ouais, top machin. Ouais, là, il n'y aura plus du tout. Il y en aura 3. Non, mais il y aura diamant 1, il y aura enfin diamant 1, diamant 2, diamant 3. Mais... C'est ça. Il y aura trois sous-divisions, mais sans plus. Vous aurez donc le MMR, c'est-à-dire votre niveau selon Battle.net, qui est différent des points, bah, ce qui permettra de mieux placer les joueurs. Concrètement, ce qui était un truc que vous aviez déjà, hein, mais qui était juste pas donné en fait, ouais, aux gens qui jouaient, et ce que je trouve être une idée assez conne, au fond, d'avoir un MMR caché qui te permet pas en fait de savoir où tu en es de ta ligue, et tu ne sais pas où tu en es de ta promotion. Ouais. Et pour tous ceux qui ont cette espèce de syndrome du top argent, top diamant, top or, enfin top n'importe quoi à vrai dire, et qui n'a pas sa promotion, eh bien ce sera normalement rendu beaucoup beaucoup plus clair par l'annonce du MMR et par la barre de progression de ta ligue. Il y aura une barre de progression aussi qui te dira à quel endroit tu es de ta ligue. C'est ça. Et donc tu auras la chaîne dynamique. Tu sais, je vois bien Imre, tu sais, genre passer GM et pendant une semaine il fait exprès de quitter la ligue et de remonter, tu sais, genre pour tous les jours en mode repasser GM. Ah oui, je suis GM, regardez, je repasse tous les jours Grandmaster. Bah pour ceux qui seront en ballotage, ça sera un peu ça quoi. Ce qui va être marrant. Ils ont rajouté quelques trucs graphiques aussi au moment du passage de ligue. Enfin, ah ouais, c'est badass quand même. C'est, franchement, c'est super cool. Ah, tu vas avoir envie de monter de ligue, hein, juste pour l'animation. Hein. En tout cas, on attend la game numéro 2. Mm-hmm. Et du coup, le troisième, c'est qui là? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais le troisième à droite. No regrets.
C'est nos regrets. Yes. Ouais, c'est pour ça que je le connais. Donc, d'accord. Ils ont foutu du full zerg pour un casse ZVZ. Bien sûr. Logique. Malin. Malin. Tech TV sur ce coup-là. Les joueurs sont ready. On va partir sur la game numéro 2 qui aura lieu sur Frost. Ouais, Frost 4 slots. On a vu Tello faire le petit fast pool face à Lilbo, car on avait 4 slots et on a voulu arnaquer. En sera-t-il de même sur cette Z? Mais bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, il faut faire quelque chose, ça s'en est chaud, hein, parce que le mec est un peu trop fort. Ouais, ouais. Bon, la première game, c'est une... C'est une démonstration de l'écart de skill entre les deux. Hein. Genre, il y a un bon build, il y a un bon choix de build, une intelligence de jeu qui est présente chez Nertio et de très très bonnes réactions au moment du deuxième timing avec la pose de Spine et tout. Il a pas une seule unité. Bah, il va défendre facilement quand même. Hein, et ils ont confirmé qu'il y aurait aussi un MMR séparé pour toutes les races. Ah, nice. Ce qui va te permettre du coup de pouvoir off-race sans avoir acheté 4 comptes. Ce qui était quand même pas loin d'être une arnaque. En haut à gauche, pour la team HyperX Liquid, il s'agit de TLO en zerg bleu. TLO. Et en haut à gauche, ici pour la team Euronix Gaming, peut-être le meilleur joueur fanier à l'heure actuelle, Nertio. Mais c'est vrai que on n'aura plus besoin d'acheter pas mal de comptes maintenant, tu pourras plus être en mode tu vois, t'es master tranquillement en zerg et tu veux te faire un petit off-race en jouant des joueurs potables et tu piques Terran. Faudra farmer un peu ton off-race, mais effectivement c'est une bonne chose. Ça motivera peut-être plus de joueurs à farmer quoi. Ceux qui étaient déjà dans l'esprit de farmer le off-race, ça va peut-être les déranger parce qu'ils étaient contents d'avoir un gros MMR en faisant du off-race. Mais pour tous les autres joueurs qui étaient en mode ouais non j'ai pas faire un ladder ranked parce que je vais me faire défoncer en off, voilà. Là, ça motivera plus de gens, je pense. Non, mais même, en vrai, c'est la toute première étape vers une. Il va triple A en poule, Thielo. Oh là là. Alors, il fait les deux parties du spectre. Hein. Soit il all-in économiquement. Bon, c'est une autre manière d'abuser d'une map à 4 joueurs où tu vas avoir du mal à avoir les infos aussi. Hein. Ah, bah, complètement. Mais ça fait partie, voilà, d'une. Une première étape vers des améliorations du jeu et de l'expérience utilisateur des gens qui passent du temps sur StarCraft 2 et donc je trouve ça très 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 positif. Ah mais ouais, ça fait plaisir, c'est des petites choses qui vont rendre le truc un peu plus agréable déjà que t'as maintenant, enfin tu sais, Yoda toujours il râle sur StarCraft 2, mais quand tu vois le jeu et quand tu vois que t'as 1 milliard de modes de jeu entre l'arcade, les custom games, la coop, le 1v1, 2v2, FFA, tout. Au final, le jeu est déjà ultra complet. Rajouter ces petits trucs, tu vois, genre stylé, petit ladder revamp, les petits icônes, les... Ah, tu kiffes, c'est hein ça. Mais c'est le début. C'est une belle décision qu'ils ont prise et je suis content que ça arrive. Faut leur donner plus d'envie de continuer ce genre de choses plutôt que de leur dire bon les gars, on attendait ça depuis 6 ans quand même. Même ouais, si on a mieux tout tard ça. Que jamais. Mais voilà. On le dit à chaque fois qu'ils sortent un truc. Hein. Bon, par contre, enlever les maps de piste. C'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais. Franchement, comme ils m'ont fait criser quand j'ai vu. Comment c'est quoi, j'en ai même déjà oublié son nom là. Sans de. Enfin, la vieille map de merde qu'ils ont prévu pour le prochain map pool là. Alors qu'elle est complètement Zerg Favor. Tu parles de New Gettysburg. Non, pas celle-là. New Gettysburg, j'étais content. Dazan Station, c'est laquelle? Bah, celle où en fait Snot, quand il est tombé face à du Torval, il s'est. Je vais pull les drones parce que cette carte c'est vraiment de la merde. Non. Tu sais, c'est celle où t'as le micro couloir. Ah, au milieu là. Avec les golds. Trop ouais. Bien. Ah, elle est trop cool cette map. Elle est trop cool. Elle est au moins aussi cool que Coral Station. J'en sais rien. Ah non, mais franchement, j'ai pété vos câbles. Maintenant, le reste du map. En fait, les 6 autres maps ont l'air d'être vraies. Enfin, vu qu'il y aura King Sejong Station normalement avec Frost et que tu rajoutes derrière. Alors, j'ai pas envie de faire les maths, mais. Enfin, 4 maps supplémentaires qui ont l'air d'être cool. Le match-up va peut-être être le meilleur qu'on ait jamais eu, au moins sur Legacy of the Void. Le map pool, le match-up. Le map pool. Ouais. Mais t'auras la dernière carte de merde où jamais de la vie. T'auras jamais envie d'être en BO7. Ouais, mais t'inquiète. Moi, je ferai un veto sur toutes les cartes, sauf celle-là. Le mec qui veut prendre son free point d'Azan quoi. Bah écoute, moi je dis c'est important. Ouais, et Timeric est là. Alors moi en fait je vais à des veto, je vais à tryhard, je vais prendre 1000 PT par matchup et ça sera mon free point. Très bien. C'est la meilleure attitude à avoir. Évidemment. Mais venant d'Imre, tu te dis voilà, il va encore ratiser le truc. Est-ce que TLO serait pas mal là dans cette game? Serait pas mal au contraire. Genre, il a son triple H avant poule qui a plus ou moins fonctionné. Là il est en train de se faire bourrer, mais il se fait bourrer par un joueur qui a 5 drones de moins et en termes de capacité de production c'est un peu plus élevé côté ouais. TLO et les deux ont Link Bane avec le speed. Oui effectivement à cette ronde d'avant. Est-ce que c'est pas la claque là hein, quand même. On a 9 un petit drone d'écart ouais. Le tier 2 qui vient d'être lancé du côté de chez TLO. Oh ok.
Très bien. RIP. Alors ça, oh, il est bien, il est bien. Ça, c'est le, bu... c'est le buisson de l'acide, ça, ça s'appelle. Oh non. Le buisson de l'acide. Il y avait alors, un ça, c'est vu comme le premier truc que t'as appris quand t'arrives sur StarCraft 2 en ZZ, c'est le buisson où tu planques un bending dedans. Et ça fonctionne encore, quoi. C'est comme la peau de banane, toi. C'est vieux comme le monde, mais si tu veux faire chier les gens. Ah, je suis dégoûté. Pauvre TLO. Bon, ceci dit, il est quand même toujours bien rien. Niveau écho. Hein, il est toujours bien, mais il avait des units, il en a plus. Il faut qu'il en reproduise, ce qui veut dire que son avantage économique et la fameuse maxime when ahead, get more ahead est un peu plus compliqué à faire parce que là, il est obligé de refaire des unités pour éviter de se faire martyriser quand il se fait push par le joueur polonais. C'est when you're ahead, get try to survive, quoi, déjà. Ouais, là, c'est un peu c'est chiant, tu vois. Ouais. Normalement, c'est toi qui mets la danse. Non, non, déjà, tu. Hein ? Essaie de pas mourir. Oh là là. Depuis tout à l'heure, il y a que des bains qui explosent. Une explosion d'acide tellement vénère. Non, mais c'est cardiaque, c'est nul, ça. Ce matchup, hein. Ouh, on va aller jusque dans le bas spatial. Eh, Nershu, il a pas le tier 2, me semble-t-il. Hein. Non. Ouh. Bon, bah, c'est des. Je bourre, into, c'est toi qui bourre, into, c'est moi qui défends, quoi. Hein. C'est à peu près la base de ce BO5. Non, mais j'aime bien ce qui. Pfff, Spire. Il va se faire arnaquer TLO, je le sens, en mode. Non. Ah non mais. Je sais pas. Mais là on a un gros timing roach qui va arriver, la Spire, ça peut être annulé, mais on n'a pas le terre des cafards. Avec quoi il défend les 11 roach là? On n'a pas d'amélioration sur les armées. On n'a pas d'aiguillon. Est-ce qu'il est sérieux Dario là? Ah bah Dario sérieux. Bah, Dario est dans la merde là. Bah oui. Il a 14 roach. Bah oui. Il a 30 cling. Bah oui. Non mais c'est Nercho. Il fait toujours le bon choix. Encore une fois, c'est le call parfait. Hein. Oui, non, mais. C'est ouf. Et il y a 20 zerglings en production, les injections sont là. Elles sont bien là, elles sont bien propres. Et là, quand t'es TLO, tu sais qu'il y a beaucoup et que t'es un peu vénère. Du coup, on va tenter de se rendre, essayer de faire des grosses connexions avec les Bane, notamment sur ce pack de 6 roach. On est direct en train de transformer. Non, mais lol, les roach qui sont devant, qui sont en train de se transformer en ravageurs pour les sauver. Et il va les sauver. Oh, mais il est tellement chaud. Oh, là, là. Non, mais Nercho, il y a un truc avec lui où t'as l'impression qu'il a le Spider Sense, quoi. Il est trop fort. Quand tu le vois jouer, tu te dis que le game est facile, mais en fait, tu ne sais pas comment il fait pour à chaque fois faire le bon choix. Tu te dis, t'es le mec, ça serait pas Nercho. T'arrives, tu te dis, mais le mec, en fait, il m'a pack. Mais en vrai, non, il est dans un live event, c'est le mec qui fait ça depuis 6 heures. GG, marché sur la gueule. C'est tellement le call ultra parfait, en mode, ah, t'as triple H en full, bon, je suis pas très bien, mais ah, bah voilà, je te prends 20 links avec une belle ligne et après. Ah bah tu te sens bien, bah en fait non, ah j'ai un all-in tier hein. Tu as le truc dégueulasse, qu'ici ça s'est scouté, tu vois c'est nul, le mec il fait la même avec du drone de plus, genre jamais d'avis tu passes. Mais parce que c'est Nercho qui le fait, ça passe. Toi t'as envie d'apprendre le ZZ, t'as envie d'analyser, t'es en mode... C'était peut-être de la merde aussi, mais poser la Spire c'était peut-être de la merde. Mais en fait... C'était peut-être le seul moyen de se faire attraper quoi. J'irais oui non, poser la Spire, ça peut se faire, mais faut avoir le tier des cafards avant. Si tu mets le tier des cafards, et tu mets la Spire après, au pire t'es pas obligé de l'utiliser. Au pire, tu la cancel. Mais t'as le terre des cafards et tu réponds à ce que le mec est en train de te proposer par des roaches aussi. Et là, il n'y a pas. Tu es en mode, on grid un petit peu et ça s'avère être le call parfait. Effectivement, morpher les ravageurs, ça leur fait perdre l'aggro. Hein, parce que du coup, c'est des unités qui n'attaquent plus. Donc, Ouais, et les points de vie, en fait. Les zerglings ne les attaquent plus par défaut. Et les points de vie, ils montent vite. Je sais plus combien de zerglings il faut pour tuer genre un ravageur en production. Quoi, il prend des points de vie quand il est dans le cocon. Ah, c'est n'importe quoi. Mais c'est débile. Ah, bah ouais. Non mais qu'ils reviennent full HP, pourquoi pas, mais pourquoi le cocon prend des points de vie? Ah mais c'est stupide. T'es sûr de ça là? Ah hier, je sais plus qui j'ai joué comme Zerg. Mais c'était peut-être Non, c'est Gourou je crois. Et je le surround, c'est cocon avec les links, je suis là. J'avais 7 links par cocon. Mais pourquoi il meurt pas? Il meurt pas. Et t'es là en mode... Oh putain. Oh là là. Ah, non mais c'est infâme, c'est stupidement infâme. La mais dureté. Là, ouais. Alors on a fait deux games, il y a 2-0 en faveur de Nercho. On fait un tout petit break, on revient dans quelques instants pour la suite et fin de ce BO5. Tout de suite. Et le retour tout de suite pour cette Home Story Cup, on est directement in-game et pour l'instant 7 hommes en bleu. Tandis que tu m'as fait n'importe quoi avec les scores. Hein. Sérieux? Ouais, c'est n'importe quoi. Il y avait 1-0 pour Nercho et il était du mauvais côté. En bas à droite pour la team Liquid, je suis désolé Yogo, c'était gratuit. Il s'agit de TLO. Ah merde! C'était le plus beau Yogo. Et puis l'autre qui mène. Qui est mené 0-1 du coup, hein. Nercho! Ou pas. Bon. Non, bah Nercho il fait ce qu'on attend, c'est-à-dire. Il joue trop bien! Imposer le fait qu'il est meilleur que la majorité des gens de son groupe. Il y a un moment où ça en est presque chiant, presque blasant, en mode oui, bah il va finir par gagner en fait. Quoi qu'il se passe dans la game, bah à la fin il a le dernier mot. C'est entre hallucinant et frustrant. Tu te demandes quand est-ce qu'il aura genre un adversaire à sa portée. Alors faut pas non plus être aussi présomptueux que ça pour Nercho, car la dernière fois il s'est fait péter deux fois de suite par Snot en ZZ. Tout le monde était là en mode mais que s'est-il passé?
Donc ça arrive, les accidents, mais le cas général reste quand même celui-là, c'est en mode il gagne et même en général c'est sur le score parfait. Ouais, il écrase et la force du truc, et c'est ça, je crois que c'est un des trucs les plus forts. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que hier j'ai maté un petit peu le cast anglais, comme je disais tout à l'heure. Et je suis tombé une fois à un moment donné sur Stefano contre je sais plus qui. Il a joué qui Stefano au final? Stefano il a joué Massa et. Et avant de jouer Massa il avait joué qui? En ZZ Snut. Voilà, c'est ça. Et c'était pendant le ZVZ et c'était Nercho qui castait. Mmh. Et Nercho il dit c'est pas mal ce que fait Stefano, mais peut-être que vous aviez fait la même analyse, mais qu'il y a un sentiment de il ne sent pas encore super bien le jeu. Mais oui. C'est-à-dire que parce qu'à un moment donné, genre il bourre, je crois que c'est sur Frozen Temple, il bourre Stefano, mmh. Et puis il s'arrête au milieu du truc en se disant non, ça va pas passer, alors que il y avait une estimation de tu peux passer maintenant et de toute manière tu passeras pas dans 20 secondes, donc faut y aller maintenant, et il le fait pas. Et donc ouais. Du coup t'as une notion de voilà, il rate des opportunités, ce qui est un peu mmh. frustrant quoi. Ah non mais on l'a surtout senti sur le TVZ, moi j'y ai. En ZZ c'est aussi Snut qui avait les bonnes réponses, enfin déjà deux fois lui plan Kaolin. Et j'irai sur Frozen Temple, en fait il a une approche différente des deux premières games. Sur les deux premières en fait. En fait, il y a de l'agression et genre ça foire. Et du coup, sur la troisième game, tu sens qu'en fait dans sa tête il y a un switch en mode j'arrête de prendre des paris sur mes timings et mon seul objectif c'est d'arriver en mid game vivant pour voir ce qu'on peut faire de plus et pas ouais. s'arrêter simplement à un timing. Donc j'avais l'impression que c'était volontaire de sa part de ne pas s'engouffrer dans un timing pour pas prendre de risques. Mais d'accord. Effectivement, ça, quand on est un bon joueur, en fait c'est considéré comme un misplay. Oui. Si Nercho à un moment il dit ouais mais en fait là il a raté sa fenêtre, t'as raté donc c'est que t'as mal eu le game. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que du coup il y a cette notion je trouve chez Nercho qui est super présente, qui est fuck mais le mec maîtrise complètement le jeu sur tous ses abords, c'est-à-dire en BO5 le mec va réfléchir au bon build, il va l'exécuter comme il faut, il va prendre les bonnes décisions en fait tout simplement. Et je trouve que c'est le truc le plus impressionnant, quand avant même que la game se joue et que les mécaniques rentrent en ligne de compte, le mec est déjà plus malin dans son choix de build et fait la différence. Et ça je trouve ça assez incroyable. C'est Nercho, c'est vraiment l'un des meilleurs foreigners qui soit et j'ai hâte de le voir confronté à de la grosse du coréen, hein. Et on pourrait avoir par exemple un petit Nercho contre Trou. D'ailleurs, nouvelle qui va vous attrister, mais qui ne sera pas particulièrement vous étonner. Voilà, DNS s'est fait stomp 3-0 par Trou. Mais bon, Trou, voilà, joueur coréen. Il vient de sortir du système coréen, hein, Trou, donc il est encore boosté aux hormones, le gamin. Emile qui rage quitte la game. Allez. Parce qu'il fait laguer un petit peu. On est parti sur un build très très orienté B3 rapide, hein, du côté de chez Nercho qui a une. Enfin, qui est genre. Il est largement devant, on sait même pas trop ce qui s'est passé, mais il est devant, tu vois. Il a beaucoup de pop, beaucoup de roach, il va avoir le speed roach d'abord. Il a réussi à cancel une fois la B3 de son adversaire. Le seul truc, c'est cette Spire qui s'est terminé, dont il n'a pas encore l'information. Ouais, il n'a pas identifié. Maintenant, le fait de voir des reines dans le gré de production me laisse à penser que il a quand même sniffé le truc. Il est en train de prévoir le creep, il a prévu les spoilers, et à mon avis, il va juste faire un timing genre roach, queen. La distance entre les bases, y'a rien. Et encore une fois, le call, tu te dis, mais en fait, il est. Mais t'as l'impression qu'il a rien bité, et à l'instant d'après, il fait attends, donc là, c'est le moment où je sors deux sports, et je ressors trois queens de plus, et je suis safe. Mm-hmm. Bon, y'a pas de sport sur sa B3. Et dans deux minutes, j'ai gagné la game. Ou alors, non, y'a pas de sport sur la B3. What? Juste, il fait flipper avec cet Overlord, quoi. Ah, si, y'en a une, c'est juste que ça chie tellement de creep que je l'avais pas vu. Ah, ouais, j'avoue. Putain, la vache. Oh, la planque. Ouais. Tu sais que ça se faisait vachement ça sur Brood, hein. De cacher des tourelles, cacher des bâtiments avec des overlords. Ouais, les 5 pixels de l'overlord pour cacher les 4 en terrain par exemple, le centre technique pouvait voler dans Broodoir. Et c'était le bâtiment aérien qui va le plus vite en terrain. Ouais. Donc non seulement il était pas cher, mais en plus il se déplaçait très vite. Attention ici les queens. Et tu levais en fait ton centre technique et tu le mettais au-dessus d'un bâtiment que tu voulais pas que l'autre voit en fait. Ouais, stylé. C'est stylé. Attends. Et vu que tu pouvais pas tourner la caméra, t'étais baisé. Ouais. Est-ce qu'il est pas un peu greedy là au niveau du position? Bon, au final il va prélever quoi, 3 mutas? Alors d'un côté en fait c'est un bon call parce que tu prends les queens, genre l'intégralité, mais regarde ce qu'il y a en face. Et c'est qu'à un moment, vu que t'as fait descendre le compte de Mutalis, est-ce que cette masse de mutas elle peut lutter face à la base de Roach? Non. Voilà. En tout cas elle peut pas les tuer suffisamment avant qu'ils arrivent au corps. Par contre il y a un échec du côté de Chinarcho. En fait il a pas le bureau là. Non. Shit. Donc il a le tunnel sans le bureau. Dommage. Ah merde, il a oublié son bureau. Ah non. Ah il est en train de faire un timing bureau qui n'existe pas. Salut, je peux pas les bureaux. Alors est-ce qu'il tape un LOL là? Regarde, il a pas de gaz. Ouais, j'avoue, c'est chelou ce qu'il fait quand même, Nercho. Il est cure de gaz. What the fuck, qu'est-ce qu'il fout?
Vas-y, mais go en frontal quoi. Oh, regarde le texte, c'est 4 putains. Eh, j'espère que chez lui il a. Enfin, il a la même pop, donc il doit avoir de quoi faire. Il a 4 spines et beaucoup de roach. Ouh. Et il a le plus 1. Non, mais ça passera jamais. Oh là 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 là. Tiolo qui se rebiffe. Tiolo qui se rebiffe, parce que je vois pas comment ça passe. Hein. Ah, moi non plus. Parce que là, même si c'est un génie, Nercho. Là, ça, c'est très peu probable que ça passe. Hein. Les cafards qui sont pas forcément. Enfin, qui sont même sous-améliorés. Tu sais que la fight est super close en début de ça. Bah ouais, elle est. Mais en même temps, l'exec de Nercho, elle est meilleure. Hein. Ah ouais. Tu vois les mouvements, les mouvements un petit peu. De Roach, hein. Un petit peu fluide de Roach, ils viennent de Nercho. Bon, ça changera rien parce qu'au final, il y avait des mutas qui pilonnaient qui n'étaient pas touchés. Et il y avait une upgrade de Roach de moins. T'as investi dans le bureau Roach qui vaut cher pour rien du tout. Bon, Nercho s'est trompé sur cette game, GG. GG. On va partir sur une game numéro 4. Ouais, honnêtement, la tunnel, pas tunnel, hyper quand même. Hein. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Pourquoi deux gaz? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il a foutu? Je pense qu'il pensait pas qu'il allait avoir autant de mutas aussitôt et qu'en fait il devait vouloir conserver son bloc de Queen, traverser immédiatement la carte avec. Et non. Oh bah, Nercho qui fait de la merde. Ça arrive. Il est humain. Bon. C'est comme Yogo à la game 3 contre Imre qui pose toujours pas de Roach Arena quoi. Tu vois? Moi aussi je vais racheter le stream, tu le sais ça? C'était gratuit, mais vas-y fais-le. Eh, hey, t'es en train de troller, mais il s'est passé quoi tout à l'heure avec le serveur du resto? Au café Martin. Il nous a remis. C'est pas le serveur, c'est le patron, mec. C'est encore le patron. Ça. Le patron qui avait payé la bouffe à Imre après sa victoire en tournoi. Donc déjà, on était tous au fond, tu vois. On était. Ah bah oui, bah très bien, parce que manquerait plus qu'il fasse son boulot. Bon, ça va, l'admin est talentueux, donc du coup, c'est bon. Il nous invite. On va bouffer après l'OGSL et puis on raconte comme ça au détour du truc au patron qui vient nous dire bonjour parce qu'on passe beaucoup trop de temps chez lui et on fait bah regarde Imre il a gagné ce soir et tout, oh bah bravo mec bien joué et tout et puis à la fin du repas alors qu'on a tous consommé comme des porcs et ben il offre le repas à Imre quoi. Madame. J'étais un peu vénère et aujourd'hui qu'est-ce que je dis? Je reviendrai jamais chez toi et tout, c'est de la merde, c'est trop nul et tout. Donc qu'est-ce qui. Non, maintenant parce qu'au début, il arrive, voilà, tout s'est bien passé, et puis on fait oui, ouais, comme d'habitude, tout ça va bien. Et il a dû faire une réflexion, quoi, comme d'habitude, mais pas comme la fois où vous êtes venu pour le tournoi ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Parce que la dernière fois, quand vous êtes sorti du resto et que c'était Imre, il y en avait qu'un seul qui avait gagné sur oui, le qui était à table, ça allait un peu moins bien. Ah ouais. Elle a fait ok, c'est vrai. What? C'est quoi ce clavier de ouf? Ah, il est classe. Un peu girly. Ah oh, mais. Est-ce que c'est pas un. Oh. Non mais il y a beaucoup trop de LED dessus pour que ce ouais, soit. Ouais mais. Il manque beaucoup trop de touches. Comment tu fais les F là? Tu joues vraiment à... Tu peux pas jouer à Starcraft avec ça? T'as pas de F key? Si? C'est celles qui sont dessus? Ah, elles sont collées? Non. Ah ouais. Non, je sais pas en fait. Non mais il a peut-être pas de F key. Non c'est d'accord. Ouais, j'avoue que si t'as pas de F key, tu peux pas jouer à Starcraft. Hein. Oh là là. Enfin si tu peux jouer à Starcraft, Stefano. D'ailleurs, Buckling Spring. Big up à toi, tu peux jouer, hein, tu peux jouer. Mais c'est vrai que les F keys qui sont assez utiles, hein, les F1, F2, F3, F4, qui, ouais. sont utiles pour les. Oh shit. Ah oui, c'est super. J'avais cru que j'avais rage kit le truc. Oh alors, le truc, c'était vraiment malin. Tu peux. C'était vraiment malin. En fait, tu rebind toutes tes touches et les F, tu les mets sur les numéros et les numéros, tu les mets en dessous. Et tu décales, tu vois, d'une ligne. Et là, t'es braille. Ça peut marcher. Ouais, t'es braille. Au final, tu vois, parce qu'il y en a, genre ma Covid. Oh la vache. C'est un Philco du coup? Oh! T'as trouvé que c'était un Philco, très bien. Putain, okay. Tout petit quoi. Oh le mini truc. Là. C'est 60% d'un vrai clavier. Non, et puis. C'est un truc de ouf. Quand il est tout petit. Bon, là on fait de la pub complètement gratuite à Philco, hein. Big up à Philco. Mais ils font des bons claviers. T'as je me rappelle le c'était les premiers qui utilisaient les Red Switch Philco. Et du coup, Kenzie en avait acheté un et. Mais moi je trouve ça trop faible, Red. Moi je kiffe. C'est des raids que t'as toi? Non, moi j'ai pas de clavier méca. Mais... Ah oui, non, c'est vrai, t'as un DT35. C'est ça. Comme un bon petit coréen. Sans le skill. En voie droite pour la team ESG, il s'agit de Nercho. Allez! Qui mène 2-1-1. Face à Tom ici, en bas à gauche, qui finalement n'a pas dit son dernier mot. Comme d'habitude, il s'agit de Tuello. La bière plus grande que l'écran, dur. Ouais. Ça dépend dans quel sens. Soit il a une très grande bière, soit il a vraiment les grandes pistes. Là, c'est 33 centilitres, donc. Ouais. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Emile? Emile, il est venu à la home story. Puis quand il commence à caster une game, il se rend compte qu'il a, du coup, il quitte, il va boire des bières, le il joue au baby foot. Non, mais c'est ça, où il fait du restream du mainstream, la tristesse alors qu'il a l'event. Ouais, non, c'est hardcore.
Emile qui a dû faire 12 heures de voiture pour venir et qui se retrouve à voir son PC qui déconne comme s'il était chez lui. C'est vraiment horrible. Oh le pauvre quoi. C'est, big up il est vraiment super sympa Emile. Eh ouais. Pim 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 pim. Alors on est sur la carte Ultralisk. Est-ce que ça te réjouit? Bah j'espère qu'il va y avoir ici une ligne Maginot de sport, de spinecrawler et d'Ultralisk. Et de leur cœur derrière. C'est possible, ouais. Parce que sinon, c'est pas fun. Comme ça, tu peux pas attaquer. Ouais. Ah non, c'est vrai que cette carte, quand il s'agit de la couper en deux avec des ultras et de leur cœur, c'est pas très drôle. Hein. Mais quand t'es malin et que tu fais un Nidus, t'as moyen de backdoor. Et là, c'est drôle. Yogo, la touche entre contrôle et alt, c'est fonction, pas Windows, du coup, Fn plus 1-12 pour les touches. Ouais, mais du coup, tu peux pas faire 5. Ouais, c'est la touche fonction, mais du coup, mais c'est tu peux la... pas utiliser tes groupes et utiliser tes F-keys en même temps. Tu vas pas faire fonction F1 pour faire juste F1, sinon c'est chiant quoi. Enfin, tu pourrais, mais tu dois faire genre, tu veux aller sur toutes tes bases, tu veux faire des injects, tu fais F1, F2, F3, tu peux pas faire fonction F1, F2, F3. Bon, ok, Nigo avec un rire d'âne là. Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre là? Solide. D'accord, et ça en live ça? D'accord, pré-show LCS, ça se barre en couille apparemment. Un concours de balls, mais oh genre littéralement oh quoi. Bah le concours de balls a été déjà gagné par Nertio là. Hein. Il y a oh micro 2 Zergling contre 2 Zergling, il y en a un qui a 2 Zergling avec un 8 PV et l'autre il a 1 Zergling. Eh ouais. Trop chaud. Trop chaud. Allez. Alors là on est vraiment sur un miroir le plus total. Hein. C'est exactement la même chose de part et d'autre. Et... C'en est d'ailleurs quasiment flippant. Donc là il y a plusieurs options, c'est soit tu bourres avec du roach, soit tu vas direct sur le tier 2. Pour faire des mutas, mais vu que tu fais le direct le tier 2 sur des mutas, autant te faire direct le tier 3 pour faire des ultras. Donc des fois tu fais direct des ultras contre l'autre qui fait direct des ultras. Et là c'est marrant après. Ouais. C'est marrant. C'est les fights les plus longues de l'histoire de l'humanité. Ouais, mais ça me rappelle justement les fights de Warcraft 3 en mode. Tu peux faire un engage de piste et quand même gagner la fight. Ouais. Tu ne sais pas pourquoi. Ou alors tu sauves, comme je dis à chaque fois, tu sauves toutes tes unités à 10 points de vie, t'es fier. Et là il y a un ultra qui repop et qui tue toutes les autres. Et tu te retrouves comme un couillon avec 5 ultras à 50 points de vie. Tu fais, mais comment je fais pour les soigner? Ils ne servent plus à rien dans la fight. Bah non, bah autant les tuer en fait. Est-ce que tu te rappelles des ultralisques de Wings of Liberty qui faisaient de la OE en mode magique? Genre tu tapais. Ah sur le Nexus là? Tu tapais un bâtiment ici, puis t'avais genre 5 dépôts qui crevaient à l'autre bout de la carte, tu vois. C'est not shown on screen, toutes les unités du terrain viennent de mourir, tu vois. Le mec il a mis un coup de Limekaiser dans un CC, il a tout qui a pété, tu vois. Ouais, ouais. Ben ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que le c'est trop drôle. L'effet de zone ne faisait pas à partir du centre de la cible, mais de l'extérieur, ouais, à la périphérie. Du coup, t'avais des rebonds d'AOE d'ultralisk. Tu vois, genre tu tapais la hatch ici et la spine elle se faisait toucher limite. Ouais, non, c'était pété, mec. Ton ultra il tapait comme ça. T'avais la spine qui prenait des dégâts. Ah non, mais c'était stupide. Je me rappelle, je faisais des CG contre Kenzie au moment où le patch est arrivé. Et puis à un moment donné, on fait une game sur Metalopolis. Et genre, il y a un ultra qui arrive et genre, il me pète l'intégralité de ma base. C'est genre, il y a deux bunkers, 6 dépôts et un CC qui meurt avec tous les CV évidemment. Ah, c'est trop drôle. Il avait un DC mutaliste. Trop débile. C'était trop débile. Non, mais c'était. Ouais. Bon, c'était un bug, hein, pour être tout à fait honnête. Ils avaient pas voulu vraiment faire ça. Hein, mais c'était un bug. Je crois même pas que c'était un bug. C'est juste qu'ils avaient pas pissé le truc. Hein. Parce que toutes les unités. Un bug, mec. Parce qu'en fait, toutes les unités elles étaient codées comme ça. Même le tank et tout, elles étaient toutes codées en mode l'AOE sur la périphérie et pas sur le centre. Ouais, enfin, t'avais pas cet effet là sur des tanks. Hein. Je l'ai dit direct. Hein. Je crois que c'est. Non. Ok. Non. Bon, okay, je défends une unité Terran. Donc forcément, on va me taxer de ne pas être. Hein, comme on dit. Non, maintenant, mais Thielo. Thielo, ça marche jamais ça! Ça marche jamais! Alors, est-ce que tu peux faire un petit jeu s'il te plaît? Ok. Il y avait les 11 roches. Non, parce que ça te permet de gagner du temps. Et honnêtement, est-ce que tu sais que ça fonctionnait? Parce qu'il n'y avait pas de roche qui arrivait. Donc sur les 5 Bane, genre il y en avait 2 ou 3 qui passaient. Hein. Genre, oui. Aussi stupide que ça l'a pu sur... Regarde là, t'as vu? T'as vu, hein? Non, mais c'est la région de point de vie. C'est super con! Mais je pense que c'est fait parce que l'unité, vu qu'elle coûte masse de pognon, tu vois, si les coupons, ça va être trop tapé de 3 points. Moi, je produis pas mes marines sur le champ de bataille, quoi. Et s'ils meurent, je me plains pas, tu vois. Bah. Bon, là, il est en train de s'en faire les nerfs, tu vois. Il donne, hein, en tout cas. Oh, ouais. Ah, bah, je suis un peu véhément, hein, excusez-moi, mais. Ah, tu es salé. Non, mais tu sais, genre, les protos, quand ils warp des unités, ils prennent 50% de dégâts en plus. Toi, tu crois, quand tu transformes une unité qui était déjà sur le champ de bataille, elle prend 8 d'armure et des points de vie, quoi.
Oui, mais elle n'est pas encore sur le champ de bataille. Elle est en formation. Bah, c'est pareil pour le Stalker qui est en train de se warper. Tu sais qu'il y a toujours le bonus de dégâts sur les unités warpées. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Bah, elles sont pas sur le champ de bataille non plus. Hein. Ah ouais, mais. Non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Du coup, on voit pas son arme. Mais en fait, tu le vois pas, mais il récupère des points de vue en fonction de la construction du cocon. Mais c'est une belle comme un bâtiment fleur, en fait, quoi. Oui, ouais, mais c'est ça. Là. Sauf que contrairement au bâtiment qui finit pas avec tous ses points de vie, lui, si. Ah, ça le ramène à. Oui, une fois que le cocon est clos, t'es quand même full PV. Non, mais ouais. Non, mais c'est full craqué. Ça t'a pas de logique. C'est bien le ravageur, hein. C'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, bah regarde, c'est une flamme, hein. c'est l'unité du feu. C'est vrai quoi. Qu'elle est badass. C'est pas trop où elle est. Ils ont légèrement baissé en termes de taille, non? Parce qu'au début, ils étaient vraiment gigantesques, les ravageurs, c'était ridicule. T'es sûr? Peut-être qu'ils l'ont pas baissé et c'est toujours comme ça. Mais non, c'est toujours gros. Hein. Non, mais en fait, c'est que la première fois que tu vois le Ravager, c'est putain, c'est immense. Et à un moment, tu t'y habitues. Mais quand tu le compares à un cafard, tu fais oh, c'est énorme. T'as vu? Mais côte à côte. Bon, regarde, c'est 4 cafards de superficie quoi. Ouais, j'avoue. Il fait trop pitié le Roach à côté. Alors, on fait des infestes du côté de chez Nertio. On est en train de camper. Oh! Eh, mais en fait, TLO il est bien! Parce qu'il est en train de rusher Ultra et en face, on est en train de faire du Roach Hydra. Mais. Tu vois, sans avoir une réelle peut-être possibilité d'agression. Je sais pas en fait s'il va réussir à timer un truc sur le 1 Nertio. Bah, ce serait pas mal pour lui, mais. Ah, bah, je pense que c'est plus que pas mal, c'est qu'il y a juste pas le choix en fait. Que Ultra, c'est fort, hein. Bon. Ouais, Ultra, c'est pas mal, ouais. Oh! Dommage. Belle anticipation au niveau de la build, mais on a vu ça du côté de Chetilo, du coup on a esquivé et on va aller scouter dans la main. Et tu le mentionnais, ouais, là on est vraiment, on est typiquement dans le truc qui fait que cette game va durer du temps. Ah, celui-là il l'a intéressé. Bon allez, trop chaud. Mais oui, on arrive sur de l'ultra, mais de l'ultra genre pas du tout amélioré en défense. On peut voir qu'on a deux attaques. Oh là là. C'est fou avec ces overs là. C'est pour foutre le bordel avec qu'on voit pas ses drop overs. Je sais pas, mais c'est bizarre. On avait un deuxième d'ailleurs. Tu sais, c'est le mec qui est trop en mode. Il essaie trop de gagner du temps. En faire des trucs bizarres. Pelem, pelem, pelem. Oh, le roadbite de Lings. Mais il va faire Mass Roach en fait. Ah, quelle créativité! Ah non, non! Non, mais il fait Mass Roach, il fait même pas Roach Hydra. Ça, j'ai peur que ça fonctionne pas face à Ultra quand même. Ah bah, faut passer avant les Ultras en fait. Il est là le truc. Hein. C'est qu'il va falloir gagner avant. Tu me diras, il est quasiment max là. Hein. Ouais, ouais. Et le Ravager, ça picote quand même. Hein. L'Espagne, ils vont se faire burst. Hein. Première agression, c'était pas, il y avait pas assez. Mais là, t'as la masse critique. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce truc du Telo là? Limite, tu fais la croix sans vie qu'elle est worse hein, sur les over. Hein. Tu crois? Ou alors le mec il bouge pas et juste les tue tous. Qu'est-ce qu'il fait avec ses ovi? Bon, on va essayer de terminer la game maintenant. Est-ce que Nertio peut terminer cette partie pendant qu'on se fait run by Zergling et les queens qui sont en bonne position? Il y en a 3, il y a des transfuses. Oh là là, le massif fungal est le deuxième, mais il n'y a pas de ravageur. Du coup, il n'y aura pas de combo derrière. Et donc, du coup, ces unités auront pris beaucoup de dégâts, mais pas beaucoup plus. Et elles ne seront pas terminées, elles ne seront pas détruites par le joueur bleu. Et j'ai l'impression que pour Tielo, les ultras arrivent trop tard. Et effectivement, ça arrive bien trop tard ici. On est en train d'infiltrer la troisième base, on est en train de split dans la main. On est en train de bloquer de l'autre côté la rampe, le run by Eliarien. Ouais, bloqué. Bloqué, ça va être la victoire Nertio. 3-1 qui devrait se qualifier. Par conséquent, pour la phase 2, les ultras qui viennent de se faire délai par unité qui est resplendissante, hein, qui est le Ravager, ouais. Bien évidemment. Ouais. Il n'a absolument pas de problème de régène ni de balance hein, dans ce jeu. Et les ultras qui se font cancel tous les uns. Oh là là. Bon, mais ben, le timing il est parfait. Nertio qui vraiment se pose pas de questions. Oh t'as l'impression que vraiment il applique en tout cas, il applique des stratégies et des calls que lui seul est capable de faire en fait à l'heure actuelle. Genre, ok, tu rush Ultra, j'ai compris, mon timing road va arriver, je vais faire ça, ça va être nickel, t'auras pas les units. Et ça roule comme dans du beurre. Ouais, parce que c'est pas évident, hein, la fenêtre d'agression elle est pas. Enfin elle est pas grande, hein, il est à 20 secondes de se faire empaler par les ultras. Et non. Plantez-y. Ouais, plantez-y. Pas mal ça. Bah ouais, et du coup, Nertio qui s'impose 3-1. Du coup. 3-1, effectivement, pour Nertio. Pas de temps à perdre. Qui est serein. Tu vois, pas trop mis en difficulté. Ce qui nous amène sur un autre match qui nous intéresse bien plus, évidemment, Lilbo Taquet contre Demuslim. Là, il n'y a plus le droit de perdre. Lilbo versus Demuslim, effectivement. On peut dire, ouais, Demuslim, ouais, il a bien joué contre Nertio. Non, Lilbo doit tuer Demuslim. Point final. Il faut qu'il le tue vite.
vite. Ouais, genre, vite avec la manière, genre clac, 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 clac. Et après, il faut qu'il mette 3-0 contre Tello en rematch, parce que sinon, c'est le bueno, quoi. Moi, je pense que... ouais, c'est vrai que c'est le bueno, ouais. On n'a pas donné de score en plus sur le premier, je suis vraiment sympa. Sur le premier, sur quel premier? Sur le match contre des musulmans. Ah, bah après, non, mais t'as pas besoin. Après, il n'y a pas besoin. Je t'ai déjà donné une cote de 2 bueno, je pense qu'on a été honnête. Parce qu'au final, moi, je bête sur 2 matchs. Devant la victoire et 2-2. La victoire deuxième match plus le 3-0. Plus le score, ouais. Ah, et même 3 bueno, je t'offre. Oh, tu vois, je change après. Tiens, j'essaie de négocier un peu discrètement, ça passe. 3 bueno. Je change après coup, il y aura 3 bueno. Pas mal, pas mal, pas mal. En tout cas, on a terminé ce match avec donc une victoire de Nercio. On s'y attendait, le joueur polonais d'Euronix Gaming qui continue son chemin, un des meilleurs foreigners sur Hello TV, sans problème, sans contestation possible. Et on va l'écouter parler, nous on fera un break et on reviendra avec Lilbo contre des musulmans. Ne ratez pas ça. But this match was still much better for me than series against Demazim, I feel like. All right. Pretty solid wins. All of the wins were pretty straightforward, I think. You lost the game on Invader. Bit of a mind gamey build from TLO. We were really confused about what he was doing. Were you also confused as the opponent? Why did you stop drawing? Well, not really. I mean, at some point I realized he doesn't have that many roaches, so the only way he can go is Muras. And well, I made like Burrow movement, but I only played on two guys, I think. And well, I was thinking I made Burrow as well, but I don't know. That game was really sloppy by me. Losing those queens is pretty big. Oh. Yeah, it's true. Mm-hmm. The Muras picking off a couple of queens there. Yeah. So you're top of the group. That means that you're going to end up in a group with a couple second place people. Is there anybody who you specifically would like to play against who advanced from yesterday? Well, it's easier to say who you wouldn't like to play against. Maybe I would like to avoid Protoss. I feel like that my matchup is the weakest, ZVP. Well, as I said, my ZVT is overall pretty solid, but in this tournament my series against Demazim was so-so. If I can bring my A game in ZVT, then I can play any Terran from this tournament. ZVP, not so much, so yeah, I would like to avoid Protoss. All right, you guys have any more questions? All right, well, congratulations on advancing, Nercio. We're going to kick it to a short break here, and then we'll be back with the first match of this group.